programme Nature 2050, c'est un programme de mécénat qui a été créé par CDC Biodiversité en 2016 et qui a pour objectif de cofinancer des projets de solutions fondées sur la nature. En 2019, on a également créé le Fonds Nature 2050, qui est un fonds de dotation pour nous permettre d'avoir de plus en plus de projets à soutenir et de plus en plus de contributeurs qui vont s'engager à nos côtés. On est parti du principe que même si on arrive à limiter le réchauffement climatique, même si on respecte l'accord de Paris et qu'on reste sous le 1,5 degré de réchauffement climatique, ce qui est peu probable aujourd'hui, il y aura un impact du changement climatique sur les territoires et sur la biodiversité. Donc on a voulu intervenir pour aider les territoires à s'adapter aux effets du changement climatique en mettant en place des projets de solutions fondés sur la nature. Donc on est un acteur privé de cofinancement de projets de solutions fondés sur la nature. La fiscalité incitative, ça va nous permettre d'avoir des contributeurs qui vont contribuer au programme Nature 2050 et qui, du coup, nous, vont nous permettre d'accompagner des projets jusqu'en 2050. Donc, ce qui nous paraît intéressant, c'est d'avoir une fiscalité incitative pour tout ce qui est restauration des écosystèmes, qui va permettre d'avoir des avantages spécifiques bien définis pour les acteurs économiques qui souhaiteraient avoir un engagement volontaire qui va au-delà de leurs obligations réglementaires et pour leur permettre de valoriser cette contribution au programme Nature 2050 et à la philanthropie. En tant qu'acteur privé du mécénat, le programme Nature 2050 va arriver toujours en cofinancement de projets de solutions fondées sur la nature. Et du coup, nous, ce qui nous paraît hyper important, c'est de pouvoir avoir une mutualisation des fonds publics et des fonds privés, puisqu'on se rend bien compte qu'on peut mutualiser nos efforts et du coup avoir beaucoup plus d'impact si on travaille ensemble, avoir un projet qui est cofinancé à la fois par des fonds publics et des fonds privés tels que le programme Nature 2050, que si on travaille chacun dans son coin. Et c'est vraiment quelque chose qui nous paraît très important et fondamental dans un contexte de diminution des fonds publics, de pouvoir travailler ensemble et de mutualiser fonds publics et fonds privés.